concours Génie Génération Constante qui opposera aujourd'hui les Kiro et les petits chanteurs. Bonsoir tout le monde. Comme pour Oui Génie, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous, comme il était le cas tous les mercredis, pour pouvoir vous animer cette émission, comme je le dis souvent, pour la radio-télé Altagrâce et cette activité qui réunit tout un monde aujourd'hui, qui marque surtout cette grande finale. Charles Omer Gélin et Oui Génie Ulysse. Merci. Pour la présentation. Comme je l'ai mentionné tantôt, nous avons commencé cette aventure depuis le début du mois d'août et nous voilà aujourd'hui. Et je me retrouve un peu nostalgique parce que ce fut un mois rempli d'émotions, d'adrénaline. On a eu des pleurs de joie, on a eu des pleurs de tristesse. Et aujourd'hui encore, je suis certaine qu'on va avoir la même ambiance. Oui, un comité qui semblait être, qui paraissait très mort de la paroisse, qui d'un coup s'est réveillé pour vous présenter cette belle activité, Concours Génie Génération Consciente. Depuis le commencement du mois d'août, nous avons assisté à un premier match qui opposait la fête, les choristes de la chorale de l'avenir et le mouvement eucharistique des jeunes. Alors, ce que vous allez assister aujourd'hui, c'est un remake de ce que vous avez vu lors du premier match du groupe B, un match qui opposait déjà les Kiro et les petits chanteurs. Alors, je pense qu'il est temps de commencer, Gélin, parce voilà. Que bon, le temps nous fait la guerre, il est assez tard. Et je pense que maintenant, Gélin, qu'est-ce qu'on va avoir pour commencer? Et voilà, pour commencer, c'est la présentation des équipes. Est-ce que les équipes sont déjà rassemblées? On fait appel aux deux équipes qui vont jouer ce soir pour venir prendre place afin que le match puisse commencer dans les prochaines minutes. Les équipes, s'il vous plaît. Nous demandons aux deux équipes d'avancer. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'ils avancent. Vous pouvez avancer. Les deux équipes sont en blanc et noir. Et jaune. Et jaune également. Mm-hmm. Une petite différence. Il y a rouge également. Ah! Et voilà, voilà, voilà. Leur sourire, Gélin, ils sont si beaux. Et pourquoi ne pas prendre un peu ce slogan qui nous anime tant? Qui est-ce qu'a mené? Pipiti? Ah oui, les deux équipes sont là et le public est également présent. Voilà, c'est ce que j'aime, Gélin. Après la présentation des équipes, nous allons passer à la prière d'ouverture. Et pour cela, je fais appel au révérend père Francky Désir, qui va nous conduire dans la prière. Votre attention, s'il vous plaît. Merci, frères et sœurs. Bonsoir. Nous sommes contents d'être là pour ce match, pour cette grande finale. Avant de commencer, nous allons prier Dieu qui a été avec nous dès le début, dès le commencement, qui est encore avec nous et qui sera toujours avec nous parce qu'il est fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit Saint, viens nous t'attendons. Viens en nous. Esprit du Père et du Fils, viens nous éclairer, viens nous illuminer,
Viens nous enseigner. Viens nous inspirer. Viens nous animer. Viens animer ce match, cette grande finale. Viens prendre place en nous. Viens prendre place au milieu de nous et dans nos cœurs. Nous te demandons de nous accompagner, d'accompagner les kiros, les petits chanteurs, les membres du jury, les animateurs et chacun de nous, pour que tout se déroule dans une ambiance conviviale, fraternelle, selon la volonté de Dieu, pour le bien de tous, pour l'avancement de notre communauté, pour l'édification de notre communauté, pour l'édification des jeunes, des enfants, et pour ta plus grande gloire. Viens nous aider à vivre en enfant de Dieu et à le prier comme il le faut, car il est notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre-Dame d'Alta Grâce, Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, tous les anges et tous les saints du ciel, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci au révérend Père Francky Désir. Pas la peine de vous asseoir, pas la peine, s'il vous plaît, vous restez debout. Et nous invitons Olifrana à venir entonner l'hymne national. Un couplet de la Dessalinienne. Par respect pour ce fameux drapeau, vous restez debout, s'il vous plaît. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. On applaudit Olifrana, s'il vous plaît. Et maintenant, Gélin, je vais faire appel à un membre de la pastorale des jeunes, Sterly, qui va prononcer des propos de bienvenue. Révérend Père, mesdames et messieurs, chers participants, chers membres des différents groupes et chorales de jeunes de la paroisse, bonsoir. Au nom du comité de la pastorale, je vous souhaite la bienvenue à la grande finale du concours Génie Génération Consciente, organisé par la pastorale des jeunes de la paroisse depuis environ 2 mois. Ce moment est pour nous tous le couronnement d'un travail acharné et la couverture d'un document
tant inspiré. Chers finalistes, votre engagement et votre détermination sont une source d'inspiration. Vous avez tous travaillé sans relâche pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et vous méritez tous nos applaudissements. Cette finale n'est pas seulement une compétition, mais aussi une célébration de l'ingéniosité et de l'esprit d'équipe. Messieurs, dames, soyez-en fiers. Bonne chance à tous et que la meilleure équipe gagne. Merci. Que la meilleure équipe gagne. Pipiti, c'est qui est-ce qui a mené? Voilà, nous demandons aux joueurs qui vont jouer pour les deux équipes de monter sur la scène et les autres d'aller s'asseoir. Rejoindre leur coéquipier. Voilà. Pendant que les joueurs s'arrangent, nous invitons à nouveau Olifrana à venir chanter pour nous Alléluia de Alexandra Burke. Olifrana. Olifrana, sur vos applaudissements. Applaudissez Olifrana, s'il vous plaît. Thank you.
Donc là, je peux comprendre, ce n'est pas à moi de vous demander d'applaudir, puisque c'était une très belle et bonne prestation. Donc au moins, un applaudissement très chaleureux, s'il vous plaît. Et voilà, c'était Olive Kada, elle qui a entonné un couplet de l'hymne national pour nous aujourd'hui et qui vient de nous chanter Alléluia d'Alexandra. C'était quand même une très belle prestation. Après cette chanson de Olive Kada, c'est le moment du tirage. Le tirage qui va marquer le commencement de ce match. Juste avant le tirage de l'in, je tiens à saluer et remercier la présence de nos membres du jury aujourd'hui. Et en l'occurrence, le président du jury, Monsieur Simplice Michelet, et Madame Mercilia Bourdeau et Madame Jemima. Madame Mercilia qui représente les petits chanteurs et Madame Jemima qui représente les Kiro aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir les membres du jury, s'il vous plaît. Je vous rappelle les principes de ce match. Personne de l'assistance ne peut répondre à une question à la place des joueurs des différentes équipes qui sont sur la scène. Vous devez rester en silence. Et je tiens à préciser que ce règlement, justement, est très, très important parce que cela n'est pas du tout dans l'avantage de votre équipe, que ce soit les petits chanteurs ou le groupe Kiro. Quand vous répondez à une question, on est obligé de prendre une autre question et parfois, ce n'est pas dans l'avantage de votre équipe. Quelque chose de plus à ajouter, les questions qui sont des questions à réponse directe sont sur 5 points. Si l'équipe l'équipe qu'on adresse la question à elle n'arrive pas à répondre à la question, l'autre équipe peut tenter. Si l'équipe ne trouve pas la réponse, elle perdra à son tour 5 points. Et je tiens à préciser aussi que chaque équipe a droit à au moins deux tentatives. Le tirage. Ça va? Non. Oui, ça va. C'est tonton qui commence, c'est-à-dire... Les Kiro. On commence avec les Kiro. Première question pour les Kiro, numéro 01. Dans quel livre de l'Ancien Testament Raphaël Archange a-t-il été cité? Je reprends. Dans quel livre de l'Ancien Testament Raphaël Archange a-t-il été cité? Toby. Correct. Qui est-ce qu'a mené? Première question pour les petits chanteurs. Autre règlement important, s'il vous plaît. Après chaque réponse, le public fait silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Question numéro 11. Lors de la veillée pascale, comment s'appelle le chant entonné tout de suite après l'accomplissement du rite de la lumière? Je reprends.
lors de la veillée pascale. Comment s'appelle le chant entonné tout de suite après l'accomplissement du rite de la lumière? Séquence. Non. Mauvaise réponse. Vous pouvez tenter à nouveau. Est-ce que les Kiro peuvent tenter? Oui. Allez-y. Exultet. Exultet. Correct. Qui est-ce qui a mené? Merci. Deuxième question. Deuxième question pour les Kiro. Après avoir répété votre slogan, vous faites silence. N'oubliez pas. Deuxième question pour les Kiro, numéro 05. Citez 4 des 12 tribus d'Israël. Je reprends. Citez 4 des 12 tribus d'Israël. Benjamin, Lévi, Ruben, Dan. Correct. Qui est-ce qui a mené? Deuxième question pour les petits chanteurs. Merci Okiro. S'il vous plaît. Merci Okiro. Deuxième question pour les petits chanteurs. Question numéro 07. Merci de faire silence. Qu'est-ce qu'une dalmatique? Je reprends. Qu'est-ce qu'une dalmatique? Au porté par les diacres. Sur ses épaules, pour plus précis. Est-ce correct? Ce n'est pas totalement correct. Ce n'est pas totalement correct. Est-ce que les Kiro veulent tenter? Non, les Kiro ne veulent pas tenter. La bonne réponse, président? La réponse, c'est le vêtement porté par le diacre au moment d'une célébration liturgique. D'une célébration liturgique. Troisième question pour les Kiro. Troisième question pour les Kiro, question numéro 02. À qui ça, première partie, la messe la finie? Prière universelle. Bonne réponse. Qui est-ce qu'a mené? Merci de faire silence. Troisième question pour les petits chanteurs. Merci de vous calmer, s'il vous plaît, pour continuer le match. Merci beaucoup. Troisième question pour les petits chanteurs. Question numéro 09. Quel est le calendrier liturgique de l'Église catholique apostolique romaine? Je reprends. Quel est le calendrier liturgique de l'Église catholique apostolique romaine? Année B. Mauvaise réponse.
C'est une mauvaise réponse. Vous pouvez tenter à nouveau. Est-ce que les Kiro veulent tenter? Non. Non. La bonne réponse, président? Un cycle de saison comprenant l'Avent, le temps de Noël, le carême, Pâques et le temps ordinaire. Voilà. On continue? On continue. Quatrième question pour les Kiro. Quatrième et dernière question à réponse directe pour les Kiro. Question numéro 06. Comment s'appelait le père de Josué? Je reprends. Comment s'appelait le père de Josué? Non. Correct. Qui est-ce qui a mené? Quatrième question pour la tutoyeur. Merci de faire silence. Merci de faire silence. C'est bien de célébrer, mais s'il vous plaît, faites silence tout juste après, c'est très important. Quatrième question pour les petits chanteurs. Comment s'appelle? Merci, merci, merci. Merci. Comment s'appelle la bénédiction accordée par le pape dans quelques occasions importantes comme pour la Noël et la Pâque? Je reprends. Comment s'appelle la bénédiction accordée par le pape dans quelques occasions importantes comme pour la Noël et la Pâque? Bénédiction solennelle. Est-ce correct? Non. Non. Vous pouvez tenter à nouveau. Est-ce que les Kiro veulent tenter? Non. Voilà. La réponse, président? Bénédiction ubi et orbi. Orbi et orbi. Voilà, c'était... C'est la fin de cette première manche à réponse directe. Nous allons passer. On va avoir... Merci. On va avoir une cinquième question pour chaque équipe et c'est une question à... Choix multiple. Symboliquement, Père d'Orange est en train d'ajouter les questions dans la boîte et il remet ça à notre accompagnatrice qui va secouer la boîte avant que chaque capitaine choisisse une question. Les questions à choix multiples sont sur 10 points. Si l'équipe à laquelle la question est posée ne connaît pas la réponse et que l'équipe adverse veut tenter mais ne trouve pas la réponse, l'équipe adverse perd 10 points. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Question à choix multiple pour les Kiro. La quatrième station du chemin de la croix est petit a, Jésus tombe pour la première fois. Petit b, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Petit c, Jésus rencontre sa mère. Petit d, Véronique essuie la face de Jésus. Petit e, aucune de ces réponses. Je reprends. La quatrième station du chemin de la croix est petit a, Jésus tombe pour la première fois. Petit b, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Petit c, Jésus rencontre sa mère. Petit d, Véronique essuie la face de Jésus. Petit e, aucune de ses réponses. Petit c, Jésus rencontre sa mère. Correct. Qui est-ce qui a mené? Merci, merci de vous calmer. Voilà, voilà,
merci beaucoup. On continue. Question pour les petits chanteurs. Au moment de la messe, le changement du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ s'appelle A. Le mystère de la passion. B. La consécration. C. L'épiclèse. D. La transubstantiation. E. Le mystère de la foi. Je reprends. Au moment de la messe, le changement du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ s'appelle A. Le mystère de la passion. B. La consécration. C. L'épiclèse. D. La transubstantiation. E. Le mystère de la foi. Consécration. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. C'est, est-ce que les Kiro veulent tenter? Oui. Petit D. Qui est? Petit D. Qui est? C'est quoi la réponse de petit D? La transubstantiation. Correct. Correct. Qui est-ce qu'on m'aime? Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est pas fini. Merci de vous calmer. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la première rubrique. Nous avons assisté à un match de choc pour cette première rubrique. Nous demandons aux petits chanteurs et aux Kiro de rejoindre leurs coéquipiers afin de préparer la fin du match. Exactement. Pipiti, qui est-ce qu'a mené? Ah là 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 là, aujourd'hui il y a beaucoup de Kiro dans la salle. Hein? Et là c'est la partie de mon jeu. Mais avant de rentrer dans cette partie, je demande à notre DJ de nous tourner une chanson. S'il vous plaît, DJ. Les Kiro sont en chaleur ce soir. Ce qui se comprend, Gélin. Qui est-ce qu'a mené? Merci aux Kiro, restez à vos places. Donc, nous allons passer à la petite activité qui marque. Qui marque la pause. Une petite chanson, Maïsou. I need y'all to run out here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you. Say it. I trust in you. Jehovah, you. I trust, say it. I trust. Show me how to do it, y'all. In you.
OK. Nous sommes arrivés à ma partie préférée. Alors, pour cette partie, qu'est-ce qu'on fait ordinairement? On lance des versions instrumentales et des jeunes de l'assistance viennent chanter. Un couplet ou deux couplets et l'assistance également participe au refrain de la chanson. Maestro Ismaël, c'est vous qui nous accompagnez aujourd'hui. C'est à vous de tourner l'instrumental pour nous pour la première prestation. Pendant que Maestro Ismaël se prépare, je me pose une question tout de même. Ah bon, voilà, l'instrumental est là. S'il y a quelqu'un de la salle qui peut interpréter cette version, vous devez avancer. Il y a un cadeau ce soir. Et oui. Est-ce qu'il y a un artiste de la salle qui veut interpréter cette version? Il y a Vanessa qui danse. Ah, ok. Jackson, ça va? Malheureusement, Maestro Ismaël, personne ne peut interpréter la chanson. Un autre instrumental? Je me rappelle mercredi dernier avoir demandé à tout le monde de préparer cette chanson. Un petit challenge. Les Kiro, s'il vous plaît. J'invite au moins une ou deux personnes qui s'étaient préparées pour cette chanson à venir chanter, à venir interpréter cette version. Viejo, c'est un titre de Mano Charlemagne qui a été interprété par Emeline Michel, qui nous rappelle la circonstance des Haïtiens vivant à la République dominicaine. Et vous, vous avez cette opportunité d'interpréter cette version aujourd'hui. La version est lancée. Et Rose Michel veut avancer. Moi, je fais mais en commission, moi, bah, madame, moi, pour. Parce qu'il paraît que nos artistes sont très timides ce soir. Maestro Benson, nous vous attendons. Ah là là. Voilà, merci. Merci, maestro. J'ai l'impression que tout artiste n'est pas timide, je dis. Ah, est-ce que c'est parce que ça l'a rempli, hein, ou du moins c'est parce qu'elle fait frette là, donc je ne sais pas trop qu'on est. Mais artiste n'est pas très, très timide, je dis. Ah. Ok, puisque j'ai prime, pardon, je t'ai annoncé non ça depuis mercredi. Ah, au moins trois questions pour assistance là. Monde qui gagne réponse là, l'a avancé, l'a venu répondre. Et après, la rejoindre Père d'Orange pour cadeau. Hein. Première question que m'a posée à assistance là, je dis. Hein. Oh!
La première question pour l'assistance. Quel est le nom du personnage principal de la famille des petites cailles? Quel est le nom du personnage principal de la famille des petites cailles? Il y a une fille qui avance. Applaudissez, s'il vous plaît. Zone. Mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter? Zoun, c'est le personnage principal de Zoun chez Sanenen. Quel est le nom du personnage principal du roman haïtien La famille des petites cailles, écrit par Justin Lérisson? Personne ne veut répondre? Comment? Avancez. Vous devez avancer pour donner la réponse. La réponse est? Eliezer, petite caille. Et? Eliezer, petite caille. Mauvaise réponse. La bonne réponse est Eliezer, petite caille. Ce n'est pas petite caille, c'est petite caille. Deuxième question. Deuxième question pour l'assistance. Deuxième question pour l'assistance. Non. Il y a quelqu'un qui dit petite caille, c'est même bagaille. Non, c'est pas même bagaille là, malheureusement. Alors, c'est en français même que le petit caille là. OK? Deuxième question pour vous. Quel est le nom de celui qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait parlé pour la première fois de la démocratie? Quel est le nom de celui qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait parlé pour la première fois de la démocratie? Jean-Jacques Rousseau, c'est 18e siècle. Est-ce que... Comment? Son nom, c'est Constantius. Constantius. Troisième question, puisque vous venez de rater deux. Troisième question pour vous. Troisième question. Une question très facile. Très, très facile. Quelle est la définition étymologique de la théocratie? Quelle est la définition étymologique de la théocratie? Vous pouvez avancer. You got Jesus in your back. In your back. Keep your mind on you. Bah quoi, c'est question plus difficile comme ça, non? Oh. La défini. Ok, quelqu'un veut avancer, oui. Il y a Kenzie qui avance. Je vous demande d'applaudir Kenzie. Reine de Dieu. Comment? Reine de Dieu.
Mauvaise réponse. Étymologiquement, la théocratie signifie, nous vient de deux mots latins d'abord, théos qui signifie Dieu, kratos qui signifie pouvoir. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu. On quitte littérature et philosophie, ma brante, qu'il y a une autre question avec nous pour nous faciliter une tâche là. Don't give up. Sans joie de vent, pas pourquoi nous cours la tête de tribu. You keep doing just what. Une autre question. Cette fois, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ok. Où et quand l'indépendance d'Haïti a-t-elle été proclamée? Où et quand l'indépendance d'Haïti a-t-elle été proclamée? Il y a un jeune homme qui... Ah, voilà, il y a une jeune fille, très jolie d'ailleurs. Oui, la réponse? Au Gonaïve. La date? 25 décembre. Non, ce n'est pas le 25 décembre. Oui, c'était au Gonaïve. 1er janvier. 2025. Elle a beaucoup tenté, Père d'Orange. Vous pouvez quand même lui donner quelque chose. Oui, c'est un... Ok, oui, venez donc. Oui, c'est un gros naïf. C'était le 1er janvier 1804. L'avant-dernière question pour mettre fin à cette série. L'avant-dernière question pour mettre fin à cette série. Quel est le symbole de l'eau dans la chimie? H2O. Oui, c'est la bonne réponse. La dernière question, une question très 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 facile. Une question très, très, très facile. La dernière question pour vous. Quelles sont les couleurs du premier drapeau haïtien? Noir et rouge. Mauvaise réponse. I know your pain, si je le drapeau rouge et noir, on l'a eu sous la gouvernance de Jean-Jacques Dessalines. Rouge et noir. Malheureusement. Rouge, blanc, bleu. Mauvaise réponse. Bleu, blanc, rouge, c'est le deuxième drapeau haïtien. Rouge et noir, c'est le quatrième drapeau haïtien. Qui veut tenter? Ah, ok. Donc, les couleurs du premier drapeau haïtien, couleurs qu'on a utilisées lors de la cérémonie des bois Kaï-Ima, c'était mauve et noir. C'est après la cérémonie
c'est après la cérémonie du bois Caïman, après la militance de Toussaint Louverture, qu'on a eu le drapeau français bleu, blanc, rouge. Après que Toussaint nous ait laissé, Dessalines arracha le blanc du drapeau français afin d'avoir le drapeau bleu et rouge, et sur ce drapeau était inscrit « Liberté ou la mort ». Après l'indépendance, Dessalines s'est autoproclamé empereur et il a choisi comme couleur rouge et noir. Les questions étaient faciles pourtant. Voilà, c'est la fin de cette série. Il y avait beaucoup de cadeaux pour vous, mais malheureusement, vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Les questions étaient hyper faciles pourtant. Donc, nous appelons maintenant les deux équipes. Nous leur demandons de retourner sur la scène, s'il vous plaît, pour la deuxième rubrique. Je demande également à Maestro Benson de se préparer, s'il vous plaît. Nos deux équipes sont déjà là, Gélin, et on va commencer sous peu la deuxième rubrique. Torime. Attendez bien. Un, deux. Deuxième période. Alors, quelque chose qu'on n'a pas pu corriger tout à l'heure, vous devez vous retourner, s'il vous plaît. Cette deuxième période, on va respecter le même tirage qu'on avait fait au début, ce qui signifie qu'on commence encore une fois avec le groupe Kiro. Les principes sont à respecter, s'il vous plaît. Surtout, le silence. Cette deuxième rubrique est basée sur la connaissance générale. Première question pour les Kiro. Dites ça va pour vérifier les micros, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Ça va. Première question pour les Kiro, question 218. En quelle année la citadelle Henri-Christophe, citadelle La Ferrière, a été classée parmi les patrimoines de l'humanité? Je reprends. En quelle année la citadelle Henri-Christophe, citadelle La Ferrière, a été classée parmi les patrimoines de l'humanité? Malheureusement. Vous voulez tenter? 1980. Le temps est écoulé. Est-ce que les petits chanteurs veulent essayer? Non. Non. C'est quoi la bonne réponse, Président? 1982.
Première question pour les petits chanteurs. Rappelez-vous de la règle d'or, s'il vous plaît. Faites silence. Première question pour les petits chanteurs. Question numéro 213. Quel événement a marqué le début de la Première Guerre mondiale? Je reprends. Quel événement a marqué le début de la Première Guerre mondiale? L'assassinat du prince héritier d'Autriche, Franz Ferdinand. Mauvaise réponse. François Ferdinand, attentat à Sarajevo contre François Ferdinand. Héritier du trône. Malheureusement. Est-ce que les Kiro veulent tenter? Non? La bonne réponse. Non, la bonne réponse, président. C'est l'évasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Voilà. On continue. Première guerre mondiale. Prière de patienter, s'il vous plaît, on fait une petite vérification. Patientez, s'il vous plaît. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go, come on. Merci, DJ. Merci, DJ. Merci beaucoup. Petit chanteur a eu la bonne réponse. La bonne réponse. PPT! Deuxième question pour les Kiro. Deuxième question pour les Kiro. Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune? Je reprends. Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune? Neil Armstrong. Ils ont dit Neil Armstrong. Correct. Qui est-ce qu'a mené? Deuxième question pour les petits chanteurs. Merci. Deuxième question pour les petits chanteurs. Question numéro 220. Quand commence et prend fin une année civile et une année fiscale? Je reprends. Quand commence et prend fin une année civile et une année fiscale? Année civile, 1er janvier au 31 décembre. Année fiscale, 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de l'année suivante. Correct. Correct.
Troisième question pour les héros. Come on, let your big and heavy, let's go, come on. I trust in you. In you. Oh Lord, say it. Oh Lord, Jehovah. Troisième question pour les héros. Question 219. Quels sont les deux organismes haïtiens s'occupant du patrimoine? Je reprends. Quels sont les deux organismes haïtiens s'occupant du patrimoine? Ispa, Mipana. Correct. You are the God of wonders. You are the God of wonders. Troisième question pour l'un, petit chanteur. Troisième question pour les petits chanteurs. Question numéro 217. Où se trouve... Alors, vous faites silence, s'il vous plaît. Où se trouve la baie Samana? Je reprends. Où se trouve la baie Samana? Est-ce que les Kiro veulent tenter? Non. La réponse, président? En République dominicaine. En République dominicaine. Quatrième question pour les Kiro. Dernière question à réponse directe pour les Kiro. Question 214. Quel est le seul pays de l'Amérique latine qui se situe en Amérique du Nord? Je reprends. Quel est le seul pays de l'Amérique latine qui se situe en Amérique du Nord? Mexique. Bonne réponse. Quatrième question pour les petits chanteurs. Quatrième et dernière question à réponse directe pour les petits chanteurs. Question 221. Quelle est la capitale de la Suède et sa monnaie? Quelle est la capitale de la Suède et sa monnaie? Stockholm, euro. Pas totalement vrai. Pas totalement vrai. Vous pouvez tenter à nouveau, malheureusement. Les Kiro? Non, les Kiro ne veulent pas tenter. La bonne président. Réponse. Stockholm et la couronne suédoise. Nous sommes arrivés à la fin des questions à réponse directe. On va maintenant passer aux questions à choix multiples. Une question par équipe et ces questions sont sur 10 points. I can't hear you say goodbye to my trouble, goodbye to my pain, girl. Goodbye, y'all. Everybody, wind it up. You are the God of miracles, say it.
Question pour les Kiros. Investir dans l'humain est l'œuvre de petit A, Leslie Payant, petit B, Jean Price Mars, petit C, Frédéric Marcelin, petit D, Jean-Bertrand Aristide. Je reprends. Investir dans l'humain est l'œuvre de petit A, Leslie Payant, petit B, Jean Price Mars, petit C, Frédéric Marcelin et petit D, Jean-Bertrand Aristide. Petit D, Jean-Bertrand Aristide. Correct. So long. To my trouble, goodbye to my pain, yo. Somebody wave me bye-bye. Somebody wave me bye-bye. Merci, merci, merci. Question pour les petits chanteurs. Merci. Merci. Question pour les petits chanteurs. Merci. Une dernière fois, s'il vous plaît, faites silence. Tous les hommes sont mortels est l'œuvre de A. Simone de Beauvoir, B. Denis Diderot, C. Aimé Césaire, D. René de Chateaubriand. Je reprends. Tous les hommes sont mortels est l'œuvre de A. Simone de Beauvoir, B. Denis Diderot, C. Aimé Césaire, D. René de Chateaubriand. Petit C, Aimé Césaire. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Nous, voilà, c'est la fin, Jenny. Oh. Merci, merci. Je suis trop pressé de mettre fin. La réponse, président. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Et la bonne réponse. C'est la fin de la deuxième rubrique. Nous demandons aux deux équipes de rejoindre leurs coéquipiers en attendant qu'on revienne après la pause pour les résultats. Voilà. Qui est-ce qui a mené? Pipiti? Napouvel? Soyons des modèles? Pas moyen scoutio. Ah, voilà. Petite maman Marie? Back to my pain, yo. Somebody wave me back. Somebody wave me back. You ain't welcome here. You ain't welcome here. Qui équipe cap champion à soir? C'est la grande question. Qui équipe cap champion à soir? N'attend de libération. Benson. Ce soir, moi, je commence à être vraiment triste. Si nous sommes qui nous tiennent, je commence à être vraiment triste parce que ce dimanche marque la fin de ce grand parcours, Jenny. Tous les mercredis, je n'avais qu'un seul rendez-vous. Pareil pour moi. DJ, DJ
t'en prie, bon moment notre musique. DJ a envie de faire me crier. DJ a fait nostalgie envahir moi. Allez vous asseoir. Merci de prendre place, s'il vous plaît, de vous asseoir à nouveau. Merci. Les résultats sont là. Je demande aux joueurs du groupe Kiro de nous rejoindre devant, s'il vous plaît. On va donner les résultats dans les prochaines secondes. Nous demandons la même chose aux petits chanteurs, s'il vous plaît. Vous êtes priés de retourner sur la scène. Vous allez vous mettre devant. Contrairement aux autres jours où ce n'était pas nécessaire d'appeler les membres du jury, aujourd'hui je tiens à rappeler que c'est très important puisque c'est la décision finale. Nous demandons aux membres du jury de nous rejoindre également. Thank you.
on a besoin de votre attention. Merci de faire silence. Je demande maintenant aux trois. Nous demandons à au moins trois membres du comité de la pastorale des jeunes de nous rejoindre, s'il vous plaît. Trois membres du comité de la pastorale des jeunes, venez nous rejoindre. Il nous reste deux autres membres du comité de la pastorale. Venez sur la scène. Où sont les autres membres du comité de la pastorale? Sterling, Stéphanie, Christopher. Voilà, Sterling avance. Il y a Stéphanie également. On a quatre au lieu de trois, voilà. Voilà, tout le monde est là, j'ai les jeux. Maintenant, nous demandons à l'accompagnateur du comité de la pastorale, Père d'Orange Franzi, de nous rejoindre également. Père d'Orange. Et maintenant, je demande aux deux équipes qui se sont affrontées aujourd'hui de se saluer juste avant les résultats. Un signe de fair play. Il faut les applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. Vous prenez maintenant cette place. Voilà. Les résultats maintenant. Juste avant les résultats. Nous tenons à féliciter toutes les équipes qui ont fait partie de ce parcours. Et si je peux me permettre de citer, je tiens à féliciter les Mégistes. Le mouvement eucharistique des jeunes. Deuxièmement, la chorale de l'avenir. Les scouts. Les scouts. Les servants d'hôtel. Et bien sûr, les Kiro. Et les petits chanteurs. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Nous avons commencé cette compétition timidement. Dieu nous a donné quand même la chance. Dieu nous a donné l'opportunité de continuer afin d'arriver jusqu'à la grande finale. Toutes les équipes qui ont participé à cette compétition ont répondu positivement, car elles ont prouvé qu'il y avait quelque chose de spécial en elles. L'équipe qui va remporter la compétition, c'est la meilleure des meilleures. Ce qui toutes les équipes que toutes sont. Toutes les équipes sont meilleures. Ce sont de très bonnes équipes. Durant toute la compétition, nous avons toujours eu deux rubriques. Une rubrique sur la Bible liturgie. Et la liturgie, mm-hmm. Et l'autre sur les connaissances générales. Aujourd'hui, pour la première rubrique, les petits chanteurs n'ont répondu à aucune question. Donc, ils ont obtenu 0 point. Les Kiro ont répondu à toutes leurs questions et à 7 questions, les 5 questions qui leur ont été posées avant, et bien sûr, elles ont les tentatives. Donc, les Kiro ont obtenu 45 points. Pour la deuxième rubrique. Une joie immense, je suis dans la... Les petits chanteurs ont obtenu 10 points pour 2 questions. Et les Kiro ont obtenu 25 points
Sport. Les petits chanteurs ont totalisé pour les deux rubriques 10 points. Les Kiro 70 points. C'est la fin de cette compétition. Victoire. Les Kiro sont champions. Les Kiro sont champions. Verre d'orange, s'il vous plaît. Verre d'orange, s'il vous plaît. Qui est-ce qui a mené? Qui est-ce qui a mené? Qui est-ce qui a gagné? Père d'Orange. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Voilà. Il m'a délivré. Les deux équipes peuvent retourner à leur place en moment. Il y a une place à assister avant la remise des primes. Je suis dans la négresse, car mon Dieu. On appelle le groupe de danse, les Kiro et les petits chanteurs. Allez vous asseoir un moment. Retournez à vos places. Il y a un bon danseur chez les Kiro, hein? On va avoir une danse juste avant la remise des primes, Gilles. Ouais. On appelle le groupe de danse. Pour la prestation, s'il vous plaît. Est-ce que Maestro Benson est là? Elles sont là, je les danseuses sont là. Est-ce que Maestro Benson est là? Voilà, la danse.
like your confidence. But it's what could come is okay, like a Kalani's. Like a Kalani's, okay, like a lot of parties. Like a lot of parties. Soyons des modèles. Petite maman Marie. Pas marié, scoutio. Ah oui, voilà. Donc, tous les slogans en reprise. Est-ce que la pastorale des jeunes est prête? Pour la remise des prix. Ouais. Et voilà, Père d'Orange, Franzi, dans ses propos de circonstance. Monseigneur Francky Désir, vicaire général en charge de l'administration de l'archidiocèse de Port-au-Prince, chers confrères, vicaire de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, chers présidents et membres du jury, nos infatigables animateurs, très chers membres du comité pastoral des jeunes de la paroisse, respectueux membres et joueurs des deux équipes finalistes, chers techniciens et caméramen, très chers invités, téléspectateurs, téléspectatrices. Aujourd'hui marque la fin du jeu d'esprit et d'intelligence baptisé Génie Génération Consciente, organisé par la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, notamment par la pastorale des jeunes de la dite paroisse. Ce jeu, voulu et soutenu par le curé de la paroisse, met d'abord au devant de la scène les jeunes, étant les forces vives et l'avenir de la paroisse. Il permet ensuite de découvrir leurs faiblesses et leurs lacunes qui doivent être comblées. Ce jeu dicte enfin au comité responsable de la pastorale des jeunes ce qu'il doit faire pour tenir allumé haut
l'intelligentsia de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce. Nos reconnaissances et grands remerciements s'en vont d'abord à l'égard de Dieu qui nous a assistés tout au long de ce jeu d'esprit et qui continue de nous assister fidèlement dans le quotidien de notre vie. Reconnaissance et gratitude à notre cher curé, notre père spirituel, un rude travailleur, un amoureux de Dieu et de la Vierge Marie qui porte tout et tous dans son cœur. Il est comme il est, mais son cœur est grand. Monseigneur Francky, mon père, mon ami, merci. Aux membres du jury et à nos deux animateurs, chapeau. À toute l'équipe de la RTA, nos respects. Ce concours ne serait pas réalisé sans le support de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, sans l'aide de Madame Yannick Bastien et les membres du groupe des affiliés, les docteurs Loude-Marie, Georgette et Anne-Marie Desormeaux, Laboratoire 4C, Samantha Dironville, Rose Muriel, Pâtisserie Marie Béliard, Madame Brunette Remfort, Madame Rose Nardine et son équipe. Merci et félicitations à nos deux équipes finalistes, à leurs responsables et à leurs parents qui se dévouaient à ce qu'ils soient là où ils en sont aujourd'hui. Nous ne saurions oublier les dévoués et responsables membres du comité qui collaborent avec moi sans mesurer leur énergie, leur bon sens et leur avoir. Merci à Joacelyn, Sterly, Stéphanie. Merci à Nazaire, Christopher et Paolo. Un grand merci à l'équipe du comité partant. À tous ceux que j'aurais oublié, merci. Dieu ne vous oubliera jamais. In fine, la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, c'est tout ça. Une paroisse qui touche l'homme dans toute son intégralité. La paroisse est tout ce que vous avez déjà vu, tout ce que vous êtes en train de voir. Et elle est surtout tout ce que vous aurez à voir. Puisque le plus beau reste à venir. Merci. Precious Redeemer and friend, who is hungerful. Le cadeau de Jemima, c'est lourd. Ça demande des mains. C'est offert par Christopher. I love you, Lord. Merci. For your mercy never fails. All my days I've been held in. À nos infatigables animateurs, ils étaient là dès le début. Ils font ça avec art, avec dextérité et avec leur cœur. D'ailleurs, ils portent le nom de maître de cérémonie. Ils aiment animer. Ils animent avec chaleur, avec gaieté de cœur et engouement. Je commence par Woodjenny, je l'aime. À notre cher Woodjenny, nous disons un très grand merci. Et son cadeau aussi sera grand comme notre remerciement. Merci, Jemima. Ah, oui, of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close. À notre cher Gélin Omer, jeune actif dans la paroisse,
Il se lance dans le monde journalistique. Et il est aussi diseur, slammer. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais vous allez m'excuser. Hein. Il a beaucoup de talent, il est bourré de talent. Il fait aussi ce qu'il fait avec son cœur, avec amour. Jelin Kimbela Palagi. Et c'est Sterly qui va vous servir. Un cadeau qui a fait que vous content, Jelin. Je garantis. Et every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is merci, merci. Comment nous t'es oublié et comment t'as fait oublier nos infatigables techniciens de la RTA. Nous leur disons un grand merci. Ils aiment la paroisse, ils aiment RTA. Ils se lèvent tôt et ils s'en vont très tard. Ils travaillent avec joie. Merci Sébastien. À Sébastien Bordeaux. Je demande à Samantha de bien vouloir identifier les cadeaux qu'on va donner aux techniciens de la RTA. Merci à Sébastien Bordeaux. Lui, il est là avec nous dès le début. Il travaille très bien. Bordeaux, pas jamais battre d'eau. Pas jamais baisser d'eau. Allez plus loin. Allez plus fort. À notre cher Moïse sous caméra, merci. Cadeau ça, Moïse. On va kembe le fort et chaque fois on va songer pastoral. Merci. À notre cher Wilzy Toussaint, c'est entrailles, c'est sang. Me dit Wilzy Kembela. À notre cher ingénieur de son Ismaël. C'est nous son en soi comme ça dans paroisse là, alors dans RTA, c'est grâce à Ismaël. Merci. Merci à notre cher Dani. Merci à Dani qui c'est graphiste. Tout design qui fait dans paroisse c'est Dani avec Wilzy, aidé par Sila nous pas capable oublier qui c'est fait de Lando que nous saluer côté Lia et nous dit cadeau par la série pour lui. Nous oublier Carl Henri Joseph Viltus, merci Carl-Henri Viltus. Merci. Merci Carl-Henri. On apprécie le travail. Merci à notre cher Josué. Si nous voyons un pile photo sur RTA, sur Instagram, c'est Josué. Josué, merci. Merci à notre cher Wesley. Wesley Edouard, à qui nous disons un grand merci. Merci à notre chère Claudiana. Claudiana. Notre infatigable sœur, notre bien-aimée, notre chère secrétaire Rose Nardine Rimaud. C'est lui-même qui gratifie nous de belles décorations, ça que nous avons là. Nous disons Rose Nardine, nous va gagner un pile pour nous offrir, mais nous va pas oublier. À tout cœur nous, comme marraine pastorale, nous choisissons le marraine. C'est pour le cas de nos plus belles décorations, mais il fait ça avec amour, avec joie. Rose Nardine, recevoir tant prix pour nous. Timo Sokado, ça. Merci.
Merci. Merci. Merci à notre cher soeur Olifrana. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier les mêmes qui chantaient tout le temps pour nous et nous quitter le micro par la boule. Nous disons, nous demandons à deux équipes pour avancer, s'il vous plaît. Les deux équipes, les Kiro, les petits chanteurs. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. Ils se sont évertués, ils se sont donné corps et âme. Ils ont beaucoup travaillé, beaucoup étudié, ils ont beaucoup creusé. Et je vous demande de les applaudir. Ils sont des héros. Mes compliments et mes félicitations. Chaque jour, nous sommes là, grâce à les supporters, nous, que nous n'avons pas oublié. Nous citons nous encore, nous disons merci. Merci à curer nous d'abord. Nous ne sommes pas capables de dire merci. Les remet activité ça yo, parce que les remet jeunes, les gens ont que jeunes. Nous ne sommes pas capables d'oublier Madame Yannick Basquiat Joseph, Docteur Josette et le groupe des affiliés qui aident nous joindre. Prime ça yo. Nous pas oublier. Brunette M. Fort. Nous ne pouvons pas oublier Laboratoire 4C. Tout l'autre monde qui m'a dit déjà. Vous voyez, belle valise, bel sac à dos, bel ordinateur, belle bon tablette. Parce que vous remènent. Et nous croyons, nous te disons ça, l'année prochaine, si Dieu veut, nous continuons à compter sur vous. Et prime vous. A plus belle toujours. Chaque jour, vous pouvez recevoir un sac, bel sac à dos qui gagne. Cahier, boîte géométrie, alors instrument géométrie, plume, crayon, pour yo capable aller l'école. Parents yo pas dans tête chargée pour acheter sac pour yo. Si yo te gagne déjà ou ka passer ben on l'autre petit frère, petit sœur, bien petit cousin, petit cousine. Nous mandé mon cap de servir comité hein pour yo porter prime joueur yo. Les petits chanteurs d'abord, les sacs à dos. Yo sac a bien un sac à dos. Merci. Yo pa gen prime sa yo seulement, yo pral recevoir yon chèque. Eva is. Yon bel chèque que petit chanteur pral recevoir. Et nous mande Christopher pour li avancer avec chèque là. Everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's yes. In the building. Where my islanders? Yes. I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Et là, yo gagné deux tablettes. Tout ça nous jeune, nous baillons. Yo gagné deux tablettes. Cap aider. Groupe l'en travail, continue à faire des recherches.
Merci. Merci. Maintenant, c'est le tour de l'équipe championne. Yo même tout va gagner yo chaque yon sac à dos que nous mandé comité en avancer avec premier pour nous s'il vous plaît. Sac à dos. Belle sac à dos, original sac à dos. Sans trop tarder, ils vont recevoir maintenant leur chèque. Leur chèque. C'est ce chèque, non? Merci. Et maintenant, ça, c'est trop fait. Un ordinateur et une belle tablette. Ouais, nous va décacheter. Voyez. C'est écrit les affiliés de la Vierge Altagrace. À nous dire merci. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous, cher public, téléspectateurs, téléspectatrices. Merci aux membres du jury. Merci à nos deux équipes. Merci à l'équipe RTA. Merci tout avec télévision Kiwo qui là. Merci à tous nos sponsors, même si là on pas cité nous, mais bon Dieu, connais-nous. Maintenant, m'a passé micro à curé paroisse, frère Franky, qui a dit nos derniers mots et puis qui a béni nous tous, qui a voyé nous la caille nous avec bénédiction. Merci à vous tous. On se dit à la prochaine. Merci. Je ne vais pas faire un discours, je ne vais pas prononcer un discours. Mais je voudrais vous rappeler que la réussite du concours Génie Génération Consciente est due grâce à la participation des équipes. La réussite est due grâce à la participation de toutes les équipes, mais aussi grâce à l'engagement, au dévouement, au savoir-faire, au sens de responsabilité, au leadership du révérend père Francis d'Orange et des autres membres du comité de la pastorale des jeunes. Père d'Orange a cette grande responsabilité de coordonner les activités de la pastorale des jeunes dans la paroisse. Il a fait ça avec tout son cœur. Il remplit cette noble mission avec tout son amour pour Dieu, pour l'Église et pour les jeunes. Père d'Orange, au nom de tous, au nom des autres confrères prêtres, au nom de toutes les équipes qui ont participé à ce concours,
au nom de toute la paroisse, nous te disons un grand merci. Compliment, mon frère. Père Orange n'était pas seul, n'est pas seul dans la mission. Il est bien accompagné. Il est bien entouré. Il a avec lui des jeunes dynamiques, talentueux. Et la réussite de ce concours est due également grâce à l'engagement de ces jeunes. Je voudrais, chers jeunes, vous dire un grand merci. Merci pour ce que vous êtes pour la paroisse. Merci de votre engagement. Continuez à vous donner, à donner le meilleur de vous-même. Continuez à travailler pour l'avancement de votre communauté et pour l'épanouissement de tous les jeunes. Merci et félicitations à nos deux équipes, Kiro et Petit Chanteur. Nous vous aimons tous et nous prions pour que vous continuez à aller de l'avant, à avancer sur le chemin du progrès et de la réussite. Félicitations et bonne chance pour l'avenir. Merci à vous tous. Dieu, comme je le disais tantôt, Dieu était avec nous, il est avec nous, il sera toujours avec nous. Il nous a accompagnés tout au long de ce concours. C'est pourquoi nous lui disons merci. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, soyez dans la joie. So long, hey, so long, hey, so long. Goodbye to my trouble, goodbye to my pain, girl. Somebody wave me bye-bye, somebody wave me bye-bye. You ain't welcome here, you ain't welcome here. Goodbye to my trouble, goodbye to my pain, girl. I can't hear you up there. Somebody raise it up, say. Somebody raise it up, say.